Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Cyralim Ultimate. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est décrit comme un dungeon crawler RPG avec de la capture de monstres, à savoir un petit peu plus de 1200 créatures différentes à capturer pour nous aider à parcourir des donjons générés aléatoirement pour acquérir de nouvelles ressources et de nouvelles créatures. Ce jeu est sorti en accès anticipé le 12 mars 2021 pour un petit peu moins de 17 euros. Et malheureusement, le français n'est pas disponible. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Il me semble que des Cyralim, il y en a déjà eu, mais je ne connais pas vraiment cette licence. Nous allons donc faire un new game. Bon, du coup, hop, oula. What is your name? Na Cha. Oh. Alors, choisissez votre spécialisation. On peut la changer à tout moment. D'accord. Donc, on peut être animateur, kabbaliste, cléric, défileur, druide, évoqueur, hell knight, inquisiteur, monk, nécromancer. Paladin, river, sorcereur, tribaliste ou trickster. Et on voit les monstres en bas à droite que l'on a au départ. Je regarde un petit peu. Hein. Une unicorn holycaster. Pourquoi pas? J'aime beaucoup ce monstre-là. Après, je pourrais changer de toute façon. Alors. Donc ça c'est l'animatus. Donc ma façon de jouer tout se base sur cette créature. D'accord. Oui, j'aime bien l'animator, allez. Ok. Donc nous voilà en jeu. J'imagine sur une première bataille déjà. Ça parle un peu beaucoup. Alors. Ok, on a une quête qui a été. Alors, un hostile unicorn vivifieur est apparu. Ok, donc c'est à moi de jouer. Mon monstre, il va pouvoir. Il peut cast, il peut pas cast grand chose, donc il va juste attaque. Ok, à droite j'ai la timeline, j'imagine. Voilà, je t'ai massacré. Et je gagne des ressources et mon animatus est passé niveau 2. Ma quête a été complétée. Ok. J'ai trois nouvelles notifications. Alors, achievement, donc devenir un animateur. Connaissance sur les unicorn vivifer. Je suis rang F et du coup maintenant je peux invoquer un unicorn. Ok. Là j'ai une boîte aux lettres. Là j'ai de quoi invoquer. Donc je pourrais invoquer un unicorn. Je vais m'invoquer une unicorn. Voilà. J'ai du coup une licorne. Alors là, j'ai une porte magique, wardrobe, changer mes vêtements, transmogrification, changer mon nom, changer le nom de mes créatures, changer ma spécialisation, reset mes perks. Donc là, j'ai que l'animateur pour l'instant. Tier 1, d'accord, je pourrais changer ça, je pourrais, oui, bon, je peux changer plein de trucs. Là, j'ai un super bouquin. Ah, et ça, c'est les supporters, d'accord. Ok. The ménagerie, donc j'imagine que c'est ça.
Deposit, donc ça d'accord, je peux stocker mes monstres, je peux les prendre, je peux, ok. Retourne tout, machin. Voilà. Faut parler au blacksmith. Bon, tuto comme d'hab. On va pouvoir créer des nouveaux artefacts, enchasser, upgrade. Helmet, sword, d'accord. Forge sword, pardon. Forge sword. Voilà. Upgrade your sword to tier 3. Upgrade. Voilà. Et il m'a donné socket your sword. Alors socket, sword, anti stat, attaque. Voilà. Alors on peut équiper pour aller sur mon menu. Donc je veux décoration mode. Ah, on peut pas pour l'instant. Donc si je veux équiper, non ça c'est mon personnage créature. Je veux équiper toi du coup. Avec une sword. Voilà. Beaucoup trop de trucs. Alors, on va parler l'enchantresse. D'accord. Craft spell gem. Alors, vampirisme. Je peux l'équiper. Hop, je lui ai mis vampirisme comme sort du coup. Retourne tout machin. Trop de texte. Voilà, on a appris comment faire tous les trucs de base, hein. On l'a vu, tout le menuing. Alors, utiliser le téléporteur pour voyager. Donc actuellement, nous ne pouvons aller qu'au Blood Groove, à l'étage 1, voilà, nous ne pouvons faire que ça. Ah oui, donc le jeu ne bouge que quand je fais quelque chose. Voilà, c'était ma quête. Donc ma fortune sera augmentée de 20%. On va prendre des perks points. Voilà. Là, il y a une piège. Ah, là, j'ai un groupe de monstres, ok. Donc, je vais pouvoir jouer, je peux cast du coup vampirisme. Ah, 14 charges, ah oui, donc je vais pas gâcher. Et j'ai ma unicorn qui va juste attaquer pour l'instant. Ok. Ma unicorn s'est fait massacrer. Eh ben, j'arrive pas à le toucher. C'est quoi cette esquive? Ah bah voilà. Bah, je préfère ça. Bon, ma unicorn gagne quand même de l'XP. On va gagner des ressources. Faut que j'arrête de jouer de la musique du coup. Ah, ma licorne va encore mourir. Il y a un certain focus sur ma licorne. Si je veux tester un truc, si je caste vampirisme, est-ce que j'ai encore... Mince, je vais pas me défendre. Donc là, je suis à 13 sur 14 en termes de charge. Est-ce qu'au prochain combat, je les aurai... Je serai encore à 13 sur 14. Alors, on peut tout prendre ou...
Je sais pas. Qu'on est attaqué. 13 sur 14. Ah non, non, c'est définitif. Ma licorne sert à rien. Bon, elle est passée niveau 2. Ah, ici, je détruis des trucs, d'accord. Et je peux littéralement tout détruire, en fait. Pour explorer ce donjon. Des nomades. Hop, on a pris... Oh là, je sais pas où je me suis retrouvé. Je sais pas, je détruis tout quand même. Dans le doute. Alors, un combat contre un Ent. On va viser le Ent d'abord. Ils ont l'air d'avoir régénération. Je sais pas, je pense que c'est ça le petit cœur à côté. Ça va, ma licorne, tiens mieux. Ils encaissent beaucoup trop. Ma licorne va lâcher. Ma licorne a lâché. Il a beaucoup trop de vie. Ou une régène supérieure à ce que je frappe. On va mettre le vampirisme. Mince, je ne pouvais pas le remettre. Checker est trop vite. D'accord. Je subis des trucs en l'attaquant en fait. Je suis en train de me faire massacrer. Le vampirisme n'est pas passé. Ah, peut-être parce que manger sa vie, c'était pas bon. Je vais mourir. Voilà, c'est réglé. Ok, je suis revenu en sécurité. Donc, maintenant, je peux... invoquer des nouvelles créatures que j'ai combattues. Je peux en faire une équipe avec un satyre. Et un truc. Ok, là je peux retourner au combat. Mais si je veux d'autres sorts par exemple. Ah, voilà, j'ai plein de nouveaux sorts. 2000 cristals, ah bah non, j'ai pas assez. Ah oui, c'est tous 2000 cristals, d'accord. Donc là, j'ai pas le choix, faut que j'y retourne. Ah, ennemi level, ah bah 1. On va prendre du cristal. Là, on se fait attaquer. Macro. Ça veut dire quoi? Ah non, je peux pas. Bon, du coup, là, on peut les massacrer. J'ai vu que mes monstres ont des éléments. Knowledge. Donc là, j'imagine que j'ai appris des nouvelles choses. Ah oui, regardez, je peux invoquer du coup les nouveaux monstres que j'ai croisés. Je peux créer des macros. Notebook, d'accord, Battle History, Codex, les cartes, j'ai pas de cartes pour l'instant, le Codex. Les prophéties, les items, les currency, la map. D'accord. Bon, y a pas mal de choses à voir du coup. Un emblème qui permet d'acheter des super objets. On va prendre l'inscription. Hop, voilà, ça nous fait des faveurs. Alors lui, il veut de la food. Pour l'instant, il n'y a pas de monstre. On peut peut-être lui reparler à lui.
Ah oui, je peux lui donner mon emblème, non? D'accord, je suis passé niveau 1 avec lui. J'ai gagné des trucs. Ah, ça c'est un combat. Alors, est-ce que j'améliore ma connaissance en les tabassant? On va voir. Du granit. C'était où bestiaire? Ah, je peux en réinvoquer, hein. Knowledge progresse, d'accord. Voilà, on a bien ma connaissance qui progresse. Qui voulait de la nourriture, je crois. Non. Bon, j'ai pas encore ce qu'ils veulent. Donc là, l'idée reste de les attaquer. Voilà, le plus possible. Pour l'instant, j'ai pas de sort, j'ai rien, donc... Faut que je me fasse toutes les ressources possibles. Et là, il y a un téléporteur. Donc j'imagine que c'est la suite ou la fin. Formidable Ali. Il faut que j'aille à l'étage 3. Et là, il faut que je tue 6 ennemis à cet étage, a priori. Voilà, quelle esquive. Je me fais un peu attaquer, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, là, il y a l'air d'y avoir une grotte. Je ramasse pas mal d'objets. Hein. Voilà, eux, on a pu faire l'échange. Là, j'ai re un combat. Bon, pour l'instant, j'ai que de l'attaque automatique sur mes personnages. Ok, la grotte, on ira plus tard, je pense. Ah bah voilà, là, j'ai pu le tuer. Voilà. Bah avec 4 monstres, ça va beaucoup mieux en fait. Hop, on trouve des trucs. On s'est fait du cristal. Là, il y a un combat. Voilà, ça c'est réglé. Et là, voilà, c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure. C'est une grotte avec pas mal d'ennemis. Enfin, pas mal de combats, un gros combat. Et des coffres. Ouais, c'est ça, ils sont beaucoup plus énervés que les monstres d'avant. Mais avec 4 monstres, ça passe nettement mieux. Et là je prends plein de trucs, là je prends plein de trucs. Pourquoi ça a remis tout ça? Alors que je l'avais bien détruit juste avant. Ok, on peut ressortir. Donc cette grotte s'est validée. Ah, il reste des ennemis à cet étage, d'accord. Bon, eux, c'est ceux qui nous avaient massacrés déjà la fois d'avant. Mais là, ils n'étaient pas en version grotte. Bon, ça va. Et là, on va pouvoir, du coup, valider les 6 combats de cet étage. Et on est passé rang 2 avec Apocranox. Voilà. Donc on va pouvoir finir de fouiller là. Et si, il me restait une grotte ici. On va voir ce que ça donne. J'avoue qu'acheter des meilleurs sorts pour mes troupes, ce serait peut-être bien. Puis là j'ai invoqué les 3 monstres, parce que c'est les seuls que j'avais, mais il faudrait peut-être que je regarde un petit peu leurs sous-stats. Voilà. Tac.
va détruire tout ça. Voilà. Donc, tout ça c'est validé. Il me reste que à gérer. Voilà. J'ai full clean cet étage. Et je peux partir dans un autre royaume ou rentrer chez moi. Donc si je veux rentrer chez moi par exemple, alors ici il me dit j'ai plein de notifs, oh waouh, j'ai trop de notifs. Ici, je pourrais réinvoquer des monstres. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ennemi canonier attaque une fois par tour. Alors, on va prendre celle-là par exemple pour en avoir une autre. Et qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bah, le Ent serait bien, je pense. Ah non, non, j'ai pas assez. Ah zut, ça coûte 1000 pour en invoquer un, je peux pas. J'ai assez pour crafter un sort. Ouais. Alors, je peux aller crafter quoi ? Je peux aller crafter quoi ? Ça, ça peut être bien constriction, parce que ça met snare et weak. Ok, on va équiper ça. Bon, je pense que je vais full... Comment ça, je n'ai pas de spell gem. Bah, je viens de pas de crafter une... J'ai pas crafté constriction. Ah, mais c'est vert. Ah, est-ce que ça, ça... Est-ce que ça, c'est des slots noirs? Ah non, il faut que ça soit lié à... C'est ça, c'est un sort de feuille, donc il faut que ça soit un feuille qui le lance. D'accord, voilà. Ok, ça j'ai compris. Donc voilà, au besoin, je pourrais lancer constriction. Je pourrais fabriquer, par exemple, un nouveau casque. Et est-ce que je peux upgrade mon casque ? Voilà, et est-ce que je peux crafter socket dans mon casque? Non, pas dans ma... Dans mon casque, je pourrais socket. Alors, attaque, défense. Intelligence, défense. Vie. Vie et défense. Ah non, je peux pas, de toute façon, j'ai pas assez. Mais si, par exemple, je vais dans caractère, non ça c'est moi, créature, équiper un artefact. Il a déjà. Ah non mince, je lui ai enlevé. Ah oui, oui d'accord, je choisis... Ah oui, je ne mets qu'un artefact. Oui d'accord. Les traits, les reliques, les spells, ok. Stratégie. Ah oui, sur quoi elle est de base en automatique, d'accord, ça c'est intéressant. La feuille de personnage, d'accord. Les items, donc ça c'est tout ce que j'ai récupéré. Plein de trucs. D'accord, là c'est toutes les currencies, les prophéties, ça on peut pas, les cartes, j'ai rien. Ok. Donc là il faudrait que je retourne dans un donjon pour explorer et continuer de trouver des nouvelles créatures et améliorer un petit peu mon équipe bestiaire. Bestiaire, il est où le... Le... Lui. Ah, j'avance en knowledge. D'accord. Intéressant. Intéressant. Ce jeu me donne vraiment envie là de m'investir. On va save game. Voilà. Ce jeu me donne vraiment envie de m'investir pour aller voir un petit peu ce qu'il y a plus loin. Parce qu'on m'annonce quand même 1200 créatures différentes. Là, j'en ai vu que quelques-unes. Donc ça donne vraiment envie.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Si vous avez apprécié cette petite découverte, où là je pense qu'on a fait un petit peu le tour du core gameplay, même si vous l'avez vu, il y a énormément de personnalisation, il y a énormément de choses à débloquer, de sorts, d'artefacts, de créatures, bref, il y a pas mal de théorie craft et beaucoup d'heures de jeu pour ceux qui aimeraient ça. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.